Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé tout. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je chante la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Au vœu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Au vœu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus. Toute la terre chante en son honneur. Je prêche cette semaine sur le thème dépouiller les dominations. Parce que nous sommes en train de parler de la Pâque. La Pâque a plusieurs effets dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu font de la Pâque par des sketch. Many children of God celebrate the East Central movies. D'autre part, le baptême, la communion. Other to baptism, communion. Mais je suis convaincu que la plupart ne comprennent même pas à quoi nous sert la Pâque. I'm convinced most of them don't know the use of the Easter. Il y a une Pâque que Dieu a instituée à partir de la sortie de l'Égypte. There is the Passover God saw at the coming out of Egypt. Et chaque année, ils célébraient cette Pâque jusqu'à ce que Jésus arrive. And every year they celebrated that till Jesus came. Et quand Jésus arrive, il nous introduit dans une nouvelle Pâque, avec plus de grâce, plus d'onction, plus d'effets positifs dans nos vies. Amen. Donc quand Jésus arrive avec cette Pâque, when Jesus comes with that Easter, au-delà de la délivrance liée aux chaînes, au blocage, à la prison humaine, beyond the deliverance linked to blockages and chains, la Pâque que Jésus nous apporte nous confère la vie éternelle. Easter, Jesus brings on for us eternal life. Alléluia. Amen. Donc, la Pâque n'est pas une simple fête. Easter is not a simple celebration. C'est une nouvelle vie dans laquelle nous entrons. It is a new life in which you enter. Donc pour ceux qui aiment l'église en Noël, for those who like the church during the Christmas, pour ceux qui aiment l'église en Pâques, or the church during the Easter, Ascension, Ascension, Assomption, Assumption, vous avez besoin de délivrance. You need deliverance. Donc voilà, donc on fête la Pâque. We celebrate the Easter. On n'a même pas la Bible. We don't even have the Bible. Mais quand on va commencer à prophétiser là, when we start prophesying, on va commencer à prier fortement, we start praying violently, on va réaliser que le Seigneur est en train d'agir, en train de nous bénir, de nous délivrer. We are going to realize the Lord is delivering us. Le monde a été créé par Dieu, il a été, mais la terre, laissons-le, parce que le monde aujourd'hui est un système spirituel. La terre a été créée par Dieu. The earth was created by God. Il a remis la terre à l'homme. And he rendered it to the man. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Bible declares heavens are the heavens of the Lord. Il a donné la terre au fils de l'homme. And he gave the earth to the son of man. Il faut que tu saches que la terre, you have to know that the earth, tu es censé dominer, prospérer,
réussi sur la terre. You were supposed to succeed, rule over le Dieu qui t'a créé t'a donné une mission. He gave you a mission. En venant sur la terre, by coming on earth, il y a des domaines dans lesquels tu dois être le premier. There are domains in which you must be the first. En venant sur la terre, by coming on earth, tu dois être heureux. You must be happy. En venant sur la terre, by coming on tu earth, dois avoir la paix. You must have peace. En venant sur la terre, by coming on ta earth, vie doit donner. Your love must be j'ai expliqué ici la semaine dernière, I explained here last week, avant que tu n'en dans le ventre de ta mère, before you were in the womb of your mother, l'esprit que tu es existait déjà. The spirit you were already existed. Donc tu étais un esprit, you are a spirit, que Dieu a créé dans l'éternité, you created in eternity, qui vivait avec Dieu là-bas. That was living with God there. Et quand Dieu a créé la terre, when God created the earth, il a choisi de t'envoyer dans une génération précise. He chose to send you in the precise generation. En te mettant, ou bien en mettant l'esprit que tu es dans le corps. By putting the spirit you are in the body. Et ce corps a été formé à partir de ton père et de ta mère. That body was formed from your parents. Mais au préalable, l'esprit que tu es vivait déjà. But before the spirit you are was already living. Donc, Dieu t'a créé. So God created you. Et il t'a formé. And he formed you. En t'envoyant sur la terre pour être heureux. While sending you on earth to be happy. Pour dominer. To rule. Pour assujettir. To subdue. Pour briller. To shine. Pour prospérer. To prosper. Pas pour souffrir. Not to suffer. À aucun moment quand Dieu envoie l'homme sur la terre. When God send the man on parce earth, que Dieu envoie l'homme comme un représentant. Because he send the man as a representative. Donc quand Dieu t'envoie sur la terre. When God sent you on earth, comme son représentant dans ta famille. As his representative in comme your family, sa représentante dans ta génération. As his representative in your il generation, est mentionné nulle part que c'est pour souffrir. It is mentioned nowhere that it is to suffer. Il est mentionné nulle part que c'est pour pleurer. It is mentioned nowhere that it is to cry. Donc il faut qu'on soit clair. So let's be clear. L'ordre de mission de Dieu pour toi, mission of God for you, ce n'est pas un ordre de souffrance, it's not an order of suffering, de misère of misery, ou de galère. Or misery. Nous lisons. Psaume chapitre 115, verset 16, il est écrit. Il est écrit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Dans Genèse 2. In Genesis chapter 2. Je crois le verset 7 peut-être. Verse 7, il dit dominer sur la terre, on earth, assujettissez, subdue, multiplier, increase, soyez féconds. Be fruitful. Donc Dieu donne la terre à l'homme pour venir dominer. God gives the earth to the man to rule. Dans son domaine d'activité. In his domain of activity. Dans ses affaires. In his business. Dans ses projets. In his projects. Et regardez l'église. But look at the church. Combien parmi nous avons une petite partielle de domination sur la terre? How many among us have a little parcel of dominion on earth? C'est-à-dire que tu peux dominer quoi? Même la souris t'effraie. The mouse scares you. Le cafard t'effraie. The cockroach scares you. Le mauvais rêve t'effraie. The nightmare scares you. Le démon t'effraie. Demon scares you. La galère t'effraie. Le célibat t'effraie. La stérilité t'effraie. Tu domines où? Where do you rule? Ça veut dire que quelque part, it means that somewhere, ce que Dieu a dit pour toi, what God has said for tu you, passes à côté. You are avoiding that. L'église est en train de passer à côté the child is diverting de ce que Dieu a dit pour elle. What God has said for it. Et pendant ce temps, and during this time, on prie quand même. We are praying. On a les bougies pour la Pâque. We have candles for the Easter. On fait le sketch à Jésus sur la croix. We do the theater of Jesus at the cross. D'autres pleurent même pendant le sketch. Others cry during the sketch. Mais ce que la Pâque what the Easter est censé nous apporter, it's supposed to bring, on ne l'expérimente pas. We don't experience. Alors quand it. Le péché arrive, so when the sin comes, le péché nous dépossède des choses que Dieu a prévues pour nous. The sin emptied us of the things God has planned for us. À cause du péché, because of the sin, de la désobéissance, disobedience, vis-à-vis de Dieu, towards God, le diable récupère notre pouvoir. Devil recovers our power. Le diable récupère notre domination. Devil recovers our dominion. Le diable récupère notre grâce. Devil recovers our grace. Le diable récupère notre gloire. Devil recovers our le glory. Diable récupère nos privilèges. Devil recovers our privilege. Le diable récupère nos droits. Devil recovers our rights. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus vient pour accomplir la Pâque, c'est pour arracher nos pouvoirs, notre domination, notre santé, notre gloire, notre bénédiction entre les mains du diable et pour nous les redonner. Donc tu ne peux pas parler de la Pâque sans récupération. Et qui dit récupération dit dépouillement. Parce qu'en réalité, ce que le diable nous a pris, c'est un butin
butin de guerre. Parce que j'ai expliqué ici, le butin, ce sont des richesses qu'on arrache après ou pendant une guerre. Donc le diable a combattu. Il nous a récupéré ce qui nous revient de droit. Il prospère avec. Mais pendant la Pâque, mais à cause de la Pâque, Jésus a récupéré le butin et nous sommes censés posséder ce butin. Je veux dire à quelqu'un cette semaine, ce qui revient à ta famille de droit, tu vas récupérer. Ton amen ne me dérange. Ce qui revient à tes enfants de droit, ce qui revient à l'Afrique de droit, ce qui revient au Cameroun de droit, je prie et je prophétise. C'est la semaine de la récupération. La semaine du dépouillement. Tu vas arracher ce qu'on t'a arraché. Ton amen ne me dérange. Ce qu'on a arraché à ta mère, tu vas arracher aussi. Ce qu'on a arraché à ton père, tu vas arracher aussi. Ce qu'on t'a arraché, toi-même, tu vas arracher. Je prie et je prophétise. Cette semaine qui commence, tu vas arracher ce qu'on t'a arraché. Je dis, tu vas arracher ce qu'on t'a arraché. Tu vas récupérer ce qu'on t'a volé. Je prie et je déclare. Tout sorcier dans ta famille qui a volé vos mariages, il sera frappé cette semaine. Qui a volé vos étoiles, il est frappé. Qui a volé vos destinées, il est frappé. Qui a volé votre gloire, il est frappé. Je dis, tu arraches cette semaine. Amen. Je dis, récupération. Amen. Tes affaires, récupération. Ton étoile, récupération. Ta destinée, récupération. Tes projets, récupération. Ta grâce, récupération. Ton onction, récupération. Ta faveur, récupération. Récupération. Dis récupération. Récupération. Dis récupération. Récupération. Dis récupération. Récupération. Dis récupération. Récupération. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Écoute-moi. Listen. Le problème de l'église, the problem of the church, c'est la base. Is a base. Quand depuis la base, when, as from on the fait base, pitié. We are pitiful. Quand depuis la base, when, as from the on base, a peur. We are quand depuis la base, when, as from the base, on est peureux. We are fearful. Quand depuis la base, when, as from the base, on est faible. We are weak. On ne peut pas récupérer. We cannot recover. Écoute-moi. Listen. Si quelqu'un arrache ton terrain, if somebody's not si your c'est land, ton terrain, it is your tu land, dois récupérer. You must si recover. Quelqu'un arrache ton argent, if somebody's si money, c'est ton argent, tu money, dois récupérer. You must si quelqu'un exploite ton étoile, si c'est ton étoile, si c'est ton étoile, tu dois récupérer. Si c'est ton étoile, tu dois récupérer. Si quelqu'un arrache ta gloire, hey, si c'est ta gloire, tu dois récupérer. Dis récupération. Récupération. Opération récupération. Amen. Dis opération récupération. Opération récupération. Dis à ton voisin opération récupération. Opération récupération. Dis à ton voisin opération récupération. Opération récupération. Touche quelqu'un, dis opération récupération. Opération récupération. Change de personne, dis opération récupération. Opération récupération. Dis opération récupération. Opération récupération. Écoute-moi. Il y a plusieurs façons pour récupérer quelque chose qui vous appartient. Many manners to recover something that belongs to première us. Étape. The first step, la négociation. Negotiation. Dans la négociation, negotiation, on utilise les textes de droit. We use texts on flatte un peu. Flatter, on paye un peu. Pay. Si la négociation ne marche pas, la deuxième work. Dimension second, like, pour la récupération, recovery, c'est la force. Force. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Yes. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oh. La Bible déclare, demandez. On vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous suivra. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où tu as demandé et on ne t'a pas donné, je prophétise, tu vas chercher et tu vas trouver. Et là où tu as cherché sans trouver, ce soir, cette semaine, on va frapper, on va frapper. On va frapper. Yes. Je dis on va frapper. Amen. Et tu vas récupérer. Amen. On va frapper. Et tu vas récupérer. Amen. On va frapper. Yes. Et tu vas récupérer. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Assieds-toi. La Pâque. Easter. C'est la guerre. Is war. La Bible dit, hein, Bible says, Jésus a pleuré sur la croix. Mais une fois dans le tombeau, grave, il est parti en guerre. He went in war. Il a fait 3 jours de guerre dans le tombeau pour grave, récupérer ce qui nous revient. J'ai compris quelque chose. Même quand c'est ta chose, tu dois encore te battre pour avoir. You, on t'a dit qu'on t'a nommé. You were told you were même pour qu'on fasse la lecture de ta nomination, even for il faut encore se battre. C'est-à-dire qu'une affaire simple, simple Dieu t'a dit, l'homme de Dieu t'a dit, toi-même tu sais.
que ta vie a changé. Mais pour que ça change réellement, tu dois encore te battre. Écoute-moi cette semaine. Personne ne pleure. Personne n'a peur. Personne ne recule. C'est la récupération. C'est la récupération. J'ai dit c'est la récupération. J'ai dit c'est la récupération. Amen. Ici il y a quelques jours, je ne comprends pas toujours ce qui s'est passé en Afrique. I don't get what happened in Africa. Pendant la traite des guerriers. During the slave trade. C'est les costauds qu'on enchaînait pour aller faire l'esclave aux Amériques. Fat men were chained up to be slaves in America. Et aucun de ces costauds ne pouvait me donner le coup de poing blanc. None of them could beat them. J'ai compris que ce n'était plus une affaire de force physique. I thought it was not a matter of mind. On a pris le temps de les préparer dans le moral. On les a fragilisés. They were weakened. En leur parlant. By talking to them. Et ça fait que celui qui était fort physiquement se laissait enchaîner. Was being chained. Oh, il laissait qu'on l'entasse dans les bateaux. They were gathered in boats. Et il partait jouer l'esclave. Même, disons même que au Cameroun, mais en Afrique, on les a bluffé. In Africa, they were just une fois là-bas, personne ne s'est rebellé. Nobody rebelled. Personne. Nobody. Mais aujourd'hui, c'est le même esprit qu'on a. Today we have the same spirit. Les Blancs ont volé nos richesses. On pleure quoi? White men stole our riches. Why are we crying for? Quand tu réalises que le sorcier t'a fait ça, when you realize that the wizard treated you, il t'a fait ça dans l'ignorance. In ignorance. Maintenant que tu connais, now that you know, maintenant que tu connais, now that you know, c'est toi qui dois faire. Amen. Les choses qu'on t'a, on envoûtait tes enfants, on bloquait vos mariages, on gâtait ta vie, tu fais mauvais rêve, tu pleures. Dis à ton voisin, c'était avant. Dis à quelqu'un, c'était avant. Maintenant, si un sorcier vient t'essayer, il meurt dans 48 heures. Ouais, il meurt dans 48 heures. L'église a besoin d'être forte. L'église a besoin d'être puissante. To be powerful. Les Africains même, even Africa, de manière générale. Generally. Aujourd'hui, tous les Africains acclament Poutine. The all African club for Poutine. Parce qu'il résiste. Because he is resisting. Il résiste pourquoi? Why is he resisting? Parce qu'il est puissant. Because he's powerful. Et il s'est préparé. And he prepared himself. En sachant qu'il est en face. By knowing his adversary. Vous connaissez qui sont les sorciers de vos familles. You know the wizards of your family. Ne venez pas jouer à l'église. Don't come to play in the church. Venez à l'église pour qu'on vous prépare. Come to the church to be prepared. Pour aller arracher vos mariages. To snatch your marriage. Écoute-moi. Listen to me. Si c'est dans le village, if it is in the village qu'on vous a bloqué, that you were blocked, c'est dans le village, it is in that village qu'on va vous débloquer. That you will amen. Be blocked. Si c'est dans la famille, it is in the family qu'on vous a maudit, that you were cursed, c'est dans la famille qu'on va vous bénir. That amen. Bless you. Fuir n'arrangera rien. Running away will fix up nothing. Va aux États-Unis. Go to United States. Va vivre en France. Go and live in France. Si on t'a bloqué au village, if you were blocked in the il village, faut que l'ange de l'Éternel the angel of the Lord arrive dans ton village, yes, et frappe tous les sorciers de ton village. Amen. Cette semaine qui commence, hey, j'envoie les anges dans ton village. Amen. Village maternel. Les village paternel. Les pour récupérer vos étoiles. Amen. Pour récupérer vos mariages. Amen. Pour récupérer vos finances. Amen. Pour récupérer vos destinées. Amen. Pour récupérer. Amen. Certaines personnes me racontaient some people were recounting me que l'aéroport de Yaoundé devait être vers Obala. The airport of Yaoundé had les to gars be sont Obala. Allés voler ça la nuit, ils ont amené ça à Simalène. Mm. They stole it and they brought it to Simalène. Tout ce que tu vois physiquement existe spirituellement. All what you see physically exists spiritually. Donc, ton mariage peut être existant spirituellement. Your marriage can exist spiritually. On te vole ça. And you are stolen that. Ton argent peut être là spirituellement. Your money can exist spiritually. On t'arrache ça. And you are snatched that. Oh, j'ai fait le rêve. I dreamt. Que quelqu'un m'a arraché le bébé. Now somebody snatched a baby. Et j'ai fait la fausse couche. And I miscarried. Attends. Wait. Faut pleurer. Cry. Quand on t'a arraché une fois. When you were snatched once. Pleurer ne change rien. Crying will change nothing. Tu vas à la salle de sport. You go to the sport. Tu vas faire la musculation. Mais attends, un meilleur parent, quand l'enfant vient à la maison, et se plaint, maman, papa, mon camarade m'a tapé. My classmate beats me. Un bon parent, qu'est-ce qu'il fait? What does a good parent il dit, do? Prochainement, s'il te pousse, if he, tu lui donnes le coup. Shakes your head. Give him a punch. Mais c'est une honte qu'un parent va défendre son enfant alors que son camarade. Donc tu veux que Dieu quitte le ciel pour venir te défendre face à un sorcier alors que c'est ton camarade? Il faut respecter Dieu.
Le sorcier, c'est ton camarade. Wizard, your classmate. Tu veux que Dieu quitte le ciel pour venir régler ton problème? Non, Dieu va te préparer et tu vas les frapper. Amen. Tu vas les terrasser. Amen. Oh, ton amen ne me convainc pas. Amen. Il y a des combats que Dieu ne fera pas pour vous. Il vous enseigne, il vous prépare et vous faites le combat. Ton collègue sorcier là, c'est toi qui vas l'anéantir. Ton voisin sorcier là, c'est toi qui vas l'anéantir. Oh, donne-moi un amen sérieux. Il y a des combats que Dieu ne peut pas, dans lesquels il ne peut pas intervenir. Ça, c'est trop le rabaisser. Parce que généralement, la plupart des gens qui vous combattent, c'est des gens que vous pouvez terrasser avec une parole. Mais comme vous avez peur, vous ne faites rien. Quand Jésus vient, il monte à la croix, il part faire. Il porte le péché sur lui. He carried the sin on him. Il devient péché. And he becomes sin. Tu sais, c'est le péché qui a fragilisé l'homme. The sin is what weakened the c'est man. Le péché qui a fragilisé l'humanité. The sin is what has weakened donc humanity. Jésus prend donc le péché. Now Jesus takes the sin. Il porte ça sur lui. He carried upon him. Et il va à la croix, il on crucifie. And he was crucified. Parce que Jésus qui a porté le péché n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. Jesus who carried the sin didn't become sin at the beginning. Donc Jésus est devenu le péché du monde. He became the sin of the world. Et Dieu donc l'a tué. And God killed him. Et quand on le met dans la tombe, when he's put in the grave, il va faire plusieurs heures. Spend many hours. Et la Bible dit, and the Bible says, dans le travail qu'il allait faire, the work he went to do there, il y a un travail spécifique qu'il a fait. It was a specific work he did. Il a dépouillé les dominations. He deprived dominion. Colossiens chapitre 2. Colossians chapter 2. À partir du verset 12, il est écrit. Il est écrit. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte qui nous rendait impuissants. Il a effacé l'acte qui nous rendait faibles. L'acte qui nous rendait aveugles. L'acte qui nous rendait enchaînés. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé. He disarmed. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que tu sais que ça fait 2000 ans it's about 2000 years et quelques années and some years qu'il a fait ce travail, that he did it. Mais les chrétiens but Christians sont toujours faibles, are still weak, misérables, miserable, pleurnichards, always cry, pauvres. They are still poor. On a l'impression que ce slogan, we feel like this slogan reste à l'église the church, et au travail, and in the workplace, en famille, family, dans la belle famille, family in love, ça ne marche plus. No more works. J'appelle ça slogan pour te dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se moquer de nous-mêmes. En réalité, ce n'est pas un slogan. It is not a slogan in real. C'est une vérité spirituelle. It is a spiritual truth. Il a dépouillé les dominations. He disarmed dominion. Mais regardez but look now, dans quoi l'église se trouve. Where the church is. Regardez look, comment les chrétiens misèrent. How Christians are miserable. Les enfants de Dieu sont pauvres. Children of God are poor. Les enfants de Dieu sont malades. Children of God are sick. À part la joie que tu as à l'église, except your joy in the church, 80% de tes journées, c'est les pleurs. 80% of your day you cry. Mais tu fêtes la Pâque. But you celebrate Easter. Ta vie n'abord n'a pas de sens. La vie de tes enfants, c'est compliqué. Tes frères, alors, c'est grave. Parfois, même la vie de ton pasteur, même tu ne sais même pas comment tu vas faire. Il dit que vous êtes un mélange de gens qui souffrent et qui misèrent. Il y a des églises où personne ne s'en sort. Les chrétiens sont dans la souffrance. Le pasteur dans la misère. Les anciens dans les pleurs. Les nouveaux vont faire comment? À un moment
moment donné, il faut qu'on arrête de se moquer de Dieu. At the time, we must stop mocking at God. Après avoir lu ça, after reading qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? What happens in your spirit? Il a dépouillé les dominations, he disarmed dominion, les autorités, authority, les a livrées publiquement en spectacle, he publicly made a spectacle, en triomphant d'elles par la croix. At the cross. Après ça, after that, pourquoi autant de souffrances dans la vie de tes enfants? Why a lot of sufferings in your children's life? Pourquoi autant de misère dans la famille? Why this misery in the family? Il y a des gens que vous n'allez jamais convertir à cause de votre galère. Yeah, people will never convert because of your misery. Donc tu penses vraiment que le peu qu'il a là, you will think that your small heart, le peu de bonne vie qu'il a là, the small good heart, il va laisser ça pour entrer dans vos églises de souffrance. You will leave it to enter your churches of suffering. Au nom de Jésus. Because of Jesus. Alors que 2 Corinthiens 9, verset 8 dit, 2 Corinthians 9, verse 8, ou l'inverse, or the contrary, de riche qu'il était, rich he was. Il s'est fait pauvre pour vous enrichir. He made himself poor to make us rich. Est-ce que c'est normal, is it normal de dire à un sataniste, tell a satanist, accepte Jésus, accept Jesus, tu vas perdre toutes tes richesses, you will lose all your riches, tu vas devenir pauvre, you'll become poor, et tu seras content, and you'll be happy. Il va venir. Will he come? Seulement en te regardant, il y a des gens qui ont juré que mieux, je vis bien sur la terre, après pas en enfer. Ta misère, your misery, est contre-productive pour l'évangile. Ta misère, your misery, ta galère n'aide pas, does not help, lorsqu'il faut prêcher l'évangile. When you have to preach the gospel. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Tu vas entendre quelqu'un te dire, moi j'ai cru dans les années 95. Yes, someone say I believe in the year 95. Nous on est les gens qui ont amené le réveil au Cameroun. En 89 j'étais dans les églises. The year 89 was already in churches. Mais dans sa famille, elle est la plus misérable. Her family is the most miserable. À quel moment tu t'es réveillé? Parce qu'on va dire non, il y a les pasteurs là qui prêchent la richesse, qui prêchent ceci là. Donc toi, tu prêches la pauvreté. Mais est-ce que c'est normal que de toute ta famille, is it normal that from all your family, tu as Jésus, you have tu as les angels, you have the angels, tu as les 24 vieillards, you have the 24 elders, tu as les 4 êtres vivants, you have the 4 living creatures, tu as archange Michael, archangel Michael, archange Gabriel, archangel Gabriel, tu as tous les archanges, you have all the archangels, tu as les séraphins, you have the seraphim, mais tu es le plus souffreteux de ta famille. But you're the person who suffers the most in your family. Demande à ton voisin, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Écoute, je peux me tromper parce que je suis un homme. Mais demande à ton voisin, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? À quel moment cette phrase, when this sentence, qui dit que de riche qu'il était, saying that rich he il was, s'est fait pauvre pour nous enrichir, he made himself poor to make s'applique us rich, dans ta vie? Is applied in your à quel moment? When? Première année de foi, d'accord, on peut comprendre. First year of faith, deuxième année, on peut comprendre. Second year, we can. Après trois ans de foi, after 3 years of faith, si tu ne vois pas les évidences de ta foi, if you don't see the evidence of ta your foi faith, n'est pas normale. Faith is abnormal. Yes. Jésus a fait trois ans Jesus spent 3 years pour préparer ses disciples, prepare his disciples, trois ans 3 years pour équiper son troupeau. To equip his flock. Trois ans après, 3 years later, ils sont allés à la chambre haute. They went to the upper ils étaient 120. They had no les gens se moquaient. People were mocking. C'est normal que quand tu commences avec Dieu, when you start qu'on se moque de toi. They mock at you. Mais ce n'est pas normal, it's not normal que la fin là, on se moque toujours. Hey. On peut se moquer au début, hey, mais pas devant. Hey. On peut t'insulter au début, hey, mais pas devant. Jamais. On peut t'intriguer au début, hey, mais pas devant. Pourquoi? Même ton Jésus, quand il portait sa croix, on se moquait de lui. Quand il plantait sa croix, on se moquait de lui. Quand il montait sur la croix avec le petit caleçon, on se moquait de lui. Quand on le clouait sur la croix, on se moquait de lui. Mais c'était le début. Quand il est mort, 3 jours après, ça a changé. Les moqueurs ont dit assurément, c'était le Fils de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui se moquaient de toi hier, ils vont changer d'avis sur toi. Ils vont dire assurément, elle a accepté le vrai Jésus. Parce que je vois ses enfants commencer à se marier. Parce que je vois comment sa vie a changé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Jésus que nous prêchons, on s'est moqué au début, mais pas à la fin. On l'a insulté au début, mais pas à la fin.
ce Jésus va t'honorer. Amen. Pas dans le siècle à venir, hey, mais sur cette terre. Oh, le Jésus de Ponzan va t'honorer. Amen. Le Jésus de la grâce va t'honorer. Amen. Je prie pour toi. Yes. Les pleurs là vont changer. Amen. Tu vas quitter des cris de détresse, hey, pour les cris d'allégresse. Amen. Tu vas quitter des larmes de détresse, hey, pour les larmes de réjouissance. Amen. Je dis que ce soir, hey, à partir de ce soir, yes, dans ta famille, mm, les mêmes qui ont insulté ton Jésus, my God, les mêmes vont célébrer ton Jésus. Amen. Les mêmes qui ont insulté ta foi, hey, les mêmes vont célébrer ta foi. Amen. Ton Jésus change ta vie. Amen. Ton Jésus change ta vie. Amen. Ton Jésus change ta vie. Amen. Demain, n'amène plus que ton voisin. Assieds-toi. Mes amis, my friends, c'est une insulte à Jésus. It's an insult to Jesus. De laisser les gens t'insulter, se moquer de toi toute ta vie. To allow people to mock at you all your life. C'est pas normal. It is abnormal. Je dis ce n'est pas normal. It is abnormal. Toute ta vie, on ne peut pas. All your life, they cannot. Toute personne, écoute, toute personne qui entre dans les églises, il faut que la famille se moque. Every person enters the church, the family needs to mock. Les intrigues. Intrigues. Les menaces. Threatened. Au début, c'est normal. The beginning, it's normal. Mais si après 5 ans, if after 5 years, quand tu rencontres ton oncle, when you encounter your uncle, tu es encore dans les affaires là, are you still there? C'est que ta foi a un problème. It means your faith has a problem. On va corriger ça cette semaine. We shall correct this week. Toute personne qui a cru, ça fait plus de 3 ans. Every person who believed more than cette three semaine, years je dois vous délivrer. Amen. C'est interdit. It is prohibited. Jésus a donné 3 ans à ses apôtres. Jesus gave 3 years to his quand apostles. Ils sont sortis de la chambre haute, now, out of the upper room, ceux qui se moquaient quand ils entraient, those who mocked them when they were ont commencé à leur demander les guérisons. Started yes. asking them for healing. Hmm. Ils sont entrés dans la chambre haute à 120. They entered 120 quand ils sont sortis, ils ont réuni 3000 personnes. Out of that they gathered 3000 people. Je t'interdis I forbid you de souffrir toute ta vie. To suffer your life. Ton amen, c'est bizarre. Amen. Amen. Quel qu'en soit ton âge, no matter your age, quel qu'en soit tes diplômes, no matter your degree, quel qu'en soit tes problèmes, no matter your problem, à cause de l'œuvre de la croix, yes, je déclare que ta souffrance est crucifiée. Amen. Ta maladie est crucifiée. Amen. Ton envoûtement est crucifié. Amen. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Amen. Cher pasteur, pastors, si vous prêchez Jésus aux gens, people, dites-leur que Jésus guérit. Amen. Jesus heals. Yes. Arrêtez les. Non, il y a un pasteur là qui est faux. Il y a un pasteur là qui ne prêche pas bien. Dis à tes chrétiens que Jésus bénit. Amen. Si tu vas dans une église, tu me regardes dans la télé, me on TV, et que le pasteur commence à prêcher, il y a les faux pasteurs. And the pastor just il y a les nouveaux pasteurs. Pastors, il y a les faux prophètes. Prophets, il faut sortir. Go out. Demande à ton pasteur. Ask your pastor, Jésus me bénit quand? When will Jesus bless me? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. It's all about that. Il y a les faux pasteurs ne vont jamais te donner la ration alimentaire. He will never give you food to eat. Il y a les faux pasteurs ne vont jamais te nourrir les enfants. He will never feed your children. Il y a les faux pasteurs ne vont jamais guérir ton rein, ton foie ou ton estomac. He will never heal your stomach. Ce qui te guérit, c'est Jésus. Who heals you, Jesus? Parfois, pour paraître important, important, il commence à critiquer les gens. Mes amis, friend, je vous dis une vérité. I tell you truth. Il y avait un jour, day, le peuple d'Israël était mordu par les serpents. The people of Israel was bit by et snakes. Dieu dit à Moïse, élève un poteau et tu mets le serpent des reins. And put the snake. Ceux qui vont regarder au serpent des those reins look at that snake vont être sauvés. Be mais saved. Ceux qui seront dans la distraction, but those will be distracted, dans les commentaires, comment, dans les plaintes, vont mourir. Cette affaire de Jésus, si tu veux réussir, focalisation sur Jésus, amen. Objectif, Jésus, amen. Le regard, Jésus. Yes. Il y a des pasteurs qui servent le diable, ils ne savent pas. Some pastors serve the devil that don't even passer 32 know. Minutes de prédication à parler mal des gens, ça donne quoi? Spending 30 minutes of preaching, we're talking about people. Alors que celui qui te suit et qui a confiance en toi, you know, he will trust and espère que you. D'ici la fin du message, at the end of the message que sa vie change. Mais pendant tout le message, all along the c'est message, moi le vrai pasteur. Pastor, c'est moi le vrai pasteur. On ne mange pas ça. On a besoin de Jésus qui a été crucifié, enterré, ressuscité, glorifié. Hey. On a besoin de lui. Amen.
Si tu partais dans une église church, où on critiquait les gens, sors, cherche une église où on élève Jésus. C'est moi qui te parle. Si ta mère aime critiquer ses sœurs, ne l'écoute plus, elle va te maudire. Si tu veux réussir dans cette affaire, n'écoute pas les gens qui aiment critiquer les autres. Écoute les gens qui présentent les solutions aux autres. Amen. Et la solution du monde s'appelle Jésus-Christ. Paraître le plus important. Paraître le plus gentil. Paraître le plus saint. Paraître le plus droit. Ne sauve pas ton entourage. Une sainteté qui ne sert à rien est une abomination. Vous parlez de la Pâque sans évidence, without evidence, sans guérison, without healing, sans bénédiction, without blessing, il y a un problème. There is a problem. Tout le monde aujourd'hui, everybody today, il est ressuscité. Is resurrected dans ta vie. In your life. Il est ressuscité avec quoi? With what is resurrected? My God. Quand il est allé dans les enfers, when he went in Hades, il a dit au diable, he told the devil, où sont les mariages? Where are marriage? Où sont les guérisons? Where are healing? Où sont les gloires? Where are glory? Où sont les étoiles? Where are stars? Il a récupéré. He recovered. Quand il est sorti de là, out of there, c'était pour nous donner ça. It was to give us mais that. Pourquoi toi tu n'as pas ça entre les mains? Why don't you hold cette semaine, things? On va corriger cette erreur. Amen. Si tu prêches Jésus, if you preach Jesus, tu crois en Jésus, in tu adores Jesus, Jésus, tu sers Jesus, Jésus, tu évangélises pour Jésus, ce Jesus. Jésus va te bénir. Amen. Il dit dans Marc 10, Mark 10, il n'est personne sur cette terre no qui, earth, à cause de moi et de la bonne nouvelle, of me or the good news, j'aime le mot, il n'est personne. I like there is no one. Personne. No one. Il n'a pas dit, écoute, il n'a pas choisi he didn't choose. Les Paulsans, les certains là, some people, et il y a les autres qui souffrent. And others il dit, suffer. Il n'est personne. There is no one. Ça, c'est des versets que j'aime les lire même pendant 2 ans. Je ne lis pas autre chose. I like, yes, to read those verses. Ceux qui me connaissent savent que moi, je ne suis pas de ceux qui ont lu toute la Bible 30 fois. I'm not part of those who read all the Bible 30 times. Je lis ce qui me concerne. I read what, amen, concerns me. Yes. Tu as entendu les pasteurs te dire, non, moi j'ai lu la Bible 60 fois. Hein. Okay. Depuis que j'ai cru, moi je n'ai jamais lu toute la Bible. Okay. J'ai lu la partie qui parle de ma bénédiction, de ma guérison, yes, de mon élévation, de ma protection. C'est ça qui me concerne. Amen. Si tu viens d'arriver ici, c'est un conseil. Ne me compare pas à ton pasteur. On n'est pas pareil. Dans l'affaire, si chacun cherche sa vie. Moi, je n'ai même pas d'abord lu. Moi, j'aime faire les maths. Donc, moi, je n'aime pas trop lire. Donc, moi, j'ouvre la Bible. J'ouvre. Il s'est appauvri pour vous enrichir. Je dis amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Amen. Toi, tu vas partir lire généalogie d'Isaacar. Isaacar enfanta, 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 il est réenfanta, enfanta encore. Moi, je dis, je connais les projets que j'ai pour toi, monsieur Paul Zang, projet de bonheur et non de malheur. Yes. Je dis amen, 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 amen. Après, ton pasteur sera choqué que lui, il est pasteur depuis 30 ans. Il n'a même pas, il n'a rien. Et moi, je suis pasteur depuis 2 mois. Ma vie change. Il est distrait. Dis à ton voisin, sors de la distraction. Sors de la distraction. Jésus n'a pas lu toute la Bible. Jesus didn't read all the Bible. Il y a des gens qui ont commencé avant toi, tu vas les dépasser. Amen. Je dis à les gens qui ont commencé avant toi, tu vas les dépasser. Amen. Il y a les gens qui ont commencé avant toi, tu vas les dépasser. Amen. Oh, donne-moi le meilleur. Amen, s'il te plaît. Amen. J'avais expliqué ici, here, quand Jésus entre dans le temple pour la première fois pour prêcher, when Jesus got in the temple for the first time, il prend, preach, il y a beaucoup de livres. There are many le livre de Jérémie, book of Jeremiah, le livre de Osée, the one of Hosea, le livre de Moïse, the one of Moses, les livres de les juges, the book of Jude, Samuel, Samuel, un roi, deux rois, first king took Job, Job a trop pleuré. Moïse, Jésus a fait comme s'il n'a pas vu le livre de Job. Jésus a cité Job combien de fois dans son ministère? Parce que vous avez dit que je manque. Allez lire la Bible. Il a cité Job combien de fois? How many times did he talk about le gars Job? A évité les livres des gens. He have all the books. La Bible dit qu'il prit le livre d'Ésaïe. Yes. The scroll of Isaiah.
Tu crois que moi là, do you think that I, de toute façon le temps passe vite. The way time is going on fast. J'ai fini faire étude biblique de A à Z. I will study the Bible from the beginning to the end. Mes amis, my friends, vos collègues, your colleagues, construisent maison. Build houses. Vos contemporains, those who are vont like à Dubaï, ils reviennent. Travel to ils vont aux États-Unis, ils reviennent. Travel to US pendant qu'on fait étude biblique exagérée, aggravée. I just study the Bible. Je ne ressemble pas à ton pasteur, donc je suis c'est désolé. I don't look like your pastor, I'm sorry. Il prend le livre d'Isaïe et non pour Jérémie le pleureur. D'ailleurs, le gars a vu le livre de Jérémie 1, lamentation de Jérémie dit pardon. Ce n'est pas le temps pour moi de pleurer. Je vais pleurer à la croix. Mais au début, si. Yes. Lamentation de Jérémie, excusez-moi. C'est ça. Jésus n'a pas prêché sur Jérémie. La Bible dit, prends le livre d'Isaïe. Et dans le livre d'Isaïe, il y a des choses qu'il doit prêcher là. There are things he must preach. La Bible dit qu'il trouva là où il était écrit. He found where it was written. Ça veut dire qu'il a cherché. It means he sought. Dans la Bible, the Bible, il y a les histoires des autres. There are stories of people. Il y a ton histoire. Il y a les prophéties des autres. Il y a ta prophétie. Amen. Il y a les problèmes pour les autres. Amen. Il y a tes solutions. Amen. Je dis cette semaine, on va trouver ta solution. Amen. Cette semaine, on va trouver ta solution. Amen. Je dis qu'on va trouver ta solution. Amen. Luc 4 dit, il trouva là où il était écrit. He found where it was written. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. The Spirit of the Lord is upon me. Luc 4, à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de livres d'autres prophètes. Mais il a dit, je veux pour Esaïe. Yes. C'est le seul qui a bien parlé de moi. L'ayant déroulé. Une parenthèse. Beaucoup de personnes parlent de toi. Many people talk about you. Il y a un groupe qui parle mal. There's a group who say negative il y a un things. Groupe qui parle bien. Another one who say positive ignore things. Ceux qui parlent mal de toi. Ignore those who say negative things on you. Yes. Écoute-moi. Listen to me. Tu rencontres quelqu'un qui me parle mal de moi. If you meet someone who slanders ne viens my name, pas me dire. Don't come to tell me. Tu fais un mauvais rêve sur moi. You have a nightmare on ne me. Viens pas me dire. Don't tell me. Quand tu vas rêver when you will dream que j'ai eu 3 milliards. That I had 3 billions. Viens me dire. Come and tell me. Amen. Un secret. Secret. Dans ce que tu fais, what you do, si tu parles plus du négatif, if you more talk about the negative, tu écoutes plus de négatif, to listen to the negative ça va t'affaiblir. It will weaken. Jésus savait qu'il allait finir par mourir. Jesus knew he would have finished. Il a refusé qu'on lui parle de sa mort en commençant son ministère. He refused to be talked about his ever starting his ministry. C'est dans Isaïe aussi qu'on a parlé de, il a été crucifié et tout ça, mais il n'a pas lu ça le jour là. He didn't read that day. Il n'a pas lu. He did not read. Parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Because he didn't need that. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il fait quoi? Il trouva l'endroit où il était écrit. Trouver est précédé par quoi? Chercher. On va chercher un verset pour toi cette semaine. Amen. A verse for you this week. Écoute, l'église, the church, c'est un endroit de recherche. It's a place of research. Amen. Je prêche jusqu'à ce que ta vie change. I preach until your life changes. Je prie jusqu'à ce que ta vie change. Amen. Your life changes. Je prophétise jusqu'à ce que ta vie change. Amen. Your life changes. Un pasteur sérieux, serious pastor, quand il ouvre sa Bible, when he opens c'est pour Bible, faire les recherches. It is to make research. Yes. C'est pas pour démontrer. Il a révélé dans la profondeur. Dis pas. Quand je finis de t'impressionner avec les révélations exagérées, when I finish impressing you with revelations, et que ta vie n'a pas changé, your life has not changed, c'est la honte. It is shame. Je t'ai dit tout à l'heure que je sors d'une église où on explique la Bible en profondeur. Coming from the Bible where they explain the Bible. Mais si deeper, l'explication en profondeur là, if that explanation ne te guérit pas, doesn't bless you, ça ne sert à rien. It is useless. L'église ne doit pas être l'endroit the church must not be the place où on vient se faire voir where we come to bust, qu'on a fréquenté, on a lu la Bible depuis 60 ans that we read the Bible, alors que les gens sont malades. Meanwhile, people are sick. La femme, elle avait
12 ans. She had 12 years de perte de sang. Of blood issue. Mais il y avait les sacrificateurs qui expliquaient les lois de Moïse chaque jour. Some priests were explaining Moses' law every day. Jésus ne lui a même pas lu un verset. She says he not even read one verse. Elle a seulement touché le vêtement. She touched the clothes. Et les 12 ans de maladie se sont arrêtés. And she was healed. Je dis que sans effort, ce soir, Dieu te guérit. Amen. Sans effort, cette semaine, Dieu te libère. Amen. Sans effort, cette semaine, Dieu te bénit. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le mot, il trouva l'endroit qui m'intéresse. Le reste, là, c'est à vous de regarder. Yes. Il trouva l'endroit. He found a place. Quand vous lisez la Bible, when you read the Bible, bon, je ne suis pas obligé de vous imposer. I'm not obliged to impose. Moi, quand je lis la Bible, when I read the Bible, je vois excès de souffrance, 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 souffrance. Je dis, Seigneur, je ne lis pas la Bible, je vais lire encore demain. Il y a des jours comme ça que, je dis que même Dieu t'envoie dans souffrance, 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 souffrance. Je dis, non, je ne lis pas. Yes. Le lendemain, j'ouvre encore. Next, I open again. Bénédiction, bénédiction. Je dis que voilà, voici une bonne journée. La bénédiction. La souffrance d'après Dieu, c'est une épreuve pour un temps. Suffering is a test for a time. Pas pour tout le temps. Not for all the time. Je ne crois pas. So I don't think. À vos histoires de souffrance. Donc depuis que j'ai cru, ma famille m'a rejeté. Yes, I believe my family rejected me. Personne ne me parle. Nobody talks to me. Personne ne me cherche. Nobody seeks me. Personne ne m'aide. Nobody helps me. Personne ne me soutient. Nobody sustains me. Ça c'est pas Dieu. It's not God. Ça c'est pas Dieu. It's not God. Tu ne dois plus dire depuis que j'ai cru. You must no more say since the time where I believed. Tu dois dire quand j'ai cru. But when I believed. C'est ce qui m'est arrivé. This is what happened. Après un temps. After a time. Ça a changé. Quand tu regardes ta vie. When you look at your life. Et que tu réalises. And you realize. Que ce qui se passe là. That what is happening. Toi-même tu sens à l'intérieur de toi. You feel within you. Que ce n'est pas normal. That it is abnormal. Ça doit changer. It must change. Amen. Si ta souffrance tu l'apprécies, je n'ai rien à te dire. If you appreciate your suffering, I have nothing to tell si you. Ta maladie tu l'apprécies, je n'ai rien à te dire. If you appreciate your sickness, I have nothing mais si to tu tell trouves you. Que ce n'est plus normal, but if you think it's no more normal, on peut s'entendre. We can agree. Ils sont remplis dans les églises. They are filled in churches, malades, sick, bloqués, blocked, enchaînés, chained humiliés. Humiliated. Le Seigneur fera grâce. The Lord le Seigneur grace. Fera grâce. The Lord will grant si grace. Tu ne te fais pas violence. If you don't violent yourself. Restez assis dans les églises. Men seated in church. Ne cherchez pas l'onction. Don't seek anointing. Ne cherchez pas la grâce. Don't seek the grace. Ne cherchez pas la puissance. Don't seek the power. Vous allez accuser les sorciers. Will you accuse wizards? Même pour que le sorcier te tue, il jeûne. Even for the wizard to kill you, il sacrifie. He sacrifices pour t'anéantir. To annihilate. Pendant ce temps, during this time, au temps opportun, at the proper time, au temps marqué par le Seigneur, the right time, réciter les versets bibliques ne fait pas de toi une personne spirituelle. Reciting verses doesn't make you a spiritual man. Si tu es spirituel, if you are spiritual, fais venir de l'invisible des choses au monde visible. Être spirituel, ce n'est pas réciter la Bible. Being spiritual is not to recite the Bible. Être spirituel, c'est de dominer le monde. But it is to rule over the world. Les satanistes ne dorment pas dans les églises. Satanists don't sleep in churches. Mais ils s'ordonnent. But the others, les choses se passent. And things happen. Vous dormez à l'église. Sleep in the church. Vous priez depuis 20 ans. You pray since 20 years. Mais aucun démon ne se soumet à vous. But no demon is submitted to you. Aucun. No. Nous parlons de la Pâque. We talk about the Easter. Écoutez, listen. Le Jésus qu'on priait Jesus you are praying n'est pas le Jésus bébé. It's not the Jesus who is baby. Le Jésus qu'on prie the Jesus you are praying n'est même pas le Jésus tapé. It's not even the Jesus who was beaten. Ce n'est pas le Jésus humilié. It's not the Jesus who was humiliated. Il n'est même pas le Jésus crucifié. It's not the Jesus who was crucified. Le Jésus qu'on prie actuellement the Jesus you are praying presently a été soulevé. He was lifted up. Souverainement soulevé. Yes. Le Jésus qu'on prie, the Jesus we are praying, c'est le Jésus glorifié. Glorified. Amen. Quand tu lis ta Bible, you read your Bible ou quand tu pries, where you pray, oh Seigneur Jésus, oh Lord Jesus, guéris-moi. Heal me. Pense à un Jésus, think about the Jesus, pas sur la croix, not pas dans le tombeau, pas en train de marcher avec Marie, mais pense à un Jésus, yes, glorifié, yes, couronné, amen, intronisé. Amen. Yes. Je te pose une question. Ask you one question. Si le chef de l'État de ton pays, the head of state of your country, pays pauvre, très endetté,
Very poor indebted country. Te promets. Promises something to you. Un marché de 50 millions. A contract of 50 millions. Tu vas fêter pendant combien de jours? During how many days will you celebrate? C'est le président de ton pays qui a dit qu'on va te donner un marché de 50 millions. You'll be given a contract of 50 millions. Tu as fêté pendant combien de jours? During how many days will you celebrate? Mais là, je te parle du roi des rois. I'm talking about the king of kings. À l'heure où je te parle, il est assis sur un trône élevé à la droite de son père. Il a une couronne d'or et de diamants. Avec un sceptre en main. Quand il prend une décision te concernant, qui peut annuler la décision? Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il élève, personne ne peut rabaisser. Si c'est ce Jésus que tu sers, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Je t'annonce que cette semaine, tes affaires vont marcher. Ta santé revient. Ta santé revient. Ta santé revient. Arrêtez les conneries, hein. Stop futilities. C'est pas de ton grand-père dont je parle, hein. I'm not talking about your grandfather. C'est pas du père de tes enfants dont je parle. I'm not talking about the father of your c'est children. C'est pas de ton ex dont je parle. I don't talk about your je ex. Je parle de Jésus-Christ. I talk about Jesus Christ. Comment on peut le minimiser, le rabaisser jusqu'à ce niveau? How can we underestimate? Les gens sont assis à l'église. Ils ne croient même plus que c'est possible que leur vie change. Tu crois plus au verdict médical que à la parole de Dieu. Tu crois plus à ce qui est écrit dans ton compte bancaire qu'à la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ce Dieu auquel tu as cru va changer ta vie. Amen. Il 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 y a des gens qui ont donné vraiment leur vie à Jésus. Yeah, people have really given their love to leur Jesus. Cœur, il n'y a pas de marabout dedans. There is no witch doctor. Il n'y a pas de féticheur sur ça. Fétiches. Ils aiment vraiment Jésus. Really, mais rien n'avance. Rien ne donne. Les maladies bizarres. Cette semaine, ce Jésus va te faire du bien. Amen. Oh, donne-moi un amen, ça commence. Amen. Une personne qui a cru en Jésus et qui est dans la loge, ça c'est son problème. Une personne qui a cru en Jésus et qui va te les féticheur. Ça, c'est son problème. Mais toi, depuis que tu as accepté Jésus, façon que tu l'aimes, façon que tu as confiance, the way you trust, mais qu'est-ce qui se passe? What's happening? Et le pasteur est là, and the pastor is there, ça ne lui dit rien. He's indifferent. Rien n'avance dans ta vie. Nothing is moving in your life. Ah, le Seigneur fera grâce. The Lord will grant grace. Pardon. Please. Il y a un temps pour toutes choses. There is a time un for temps everything. Pour pleurer. There is a time to cry. Un temps pour rire. There is a time to laugh. J'ai dit, Dieu va te bénir cette semaine. God will bless you this tu vas rire pendant 72 heures. Amen. Tu vas rire pendant 72 heures. Amen. J'ai dit, tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire. Amen. Mais c'est même quoi l'affaire d'accepter Jésus là? What's the matter of accepting Jesus? Les gens vont chez le diable. People go to the devil. Après, tu vois, ils ont les voitures. After they have cars, ils ont les maisons, leurs affaires marchent. Their business work. Après, on dit que non, c'est vrai qu'ils ont l'or et l'argent du monde. They have gold and silver of the world. Mais ils vont aller en enfer. But they will go to hell. Entre eux qui vont aller en enfer. Between them. Et nous qui vont en enfer ici. And who are living hell. Ta vie là. Your life. Toi-même, tu sais you know que c'est l'enfer. That it is hell. Oh, rien ne marche. Nothing works. Rien. Nothing. Et tu atteins un niveau où même quand tu entres dans la vie de quelqu'un où sa vie donnait, quand tu entres, ça se gâte encore. I reach a level where you're connected to somebody, his life gets spoiled more. Il y a les gens ici, quelqu'un qui voulait te faire du bien, dès que tu mets ta main dans son affaire, ça se gâte. Somebody wanted to do you good when you put your hand in his business. Dès qu'il te fait la promesse, ça se gâte. When he makes a promise, it gets spoiled. C'est toujours l'affaire de Jésus comme ça. Is it still Jesus? C'est toujours l'affaire de Jésus comme ça. Is it still a matter of Jesus? Il a dépouillé les dominations. He disarmed dominion. Dans l'histoire du peuple d'Israël. In the story of the people of Israel. Dans Exode chapitre 3. In the book of Exodus chapter 3. Dieu dit à Moïse. God told Moses. Le peuple souffre trop. People suffer. Plus de 400 années après. More than 400 years j'ai later. J'ai décidé. I've decided. De les délivrer. Deliver them. Il y aura un parcours, un processus. There will be a work of process. Et la fin du processus de délivrance va se passer par la Pâque. And the end will come through the Easter. Dans Exode 12. Exodus 12. Mais dans Exode 3, il explique ce qui va se passer.
Et à la fin, il dit, at the end, he say, quand l'heure pour sortir va arriver, when the time to go out will come, vous allez dépouiller tous les Égyptiens. Deprive all the Egyptians. La délivrance avec le Seigneur deliverance with the Lord n'est pas seulement une affaire de reçoit la guérison. It's only a matter of receiving reçoit la délivrance. Or receiving deliverance. Quand Dieu te délivre, when God delivers you, tu dépouilles ceux qui t'ont attaqué. You deprive those who attack you. Si un sorcier a bloqué vos mariages, so wizard has blocked your marriage. Quand je débloque ton mariage, when I block your marriage, j'arrache ses richesses, je te donne. I snatch the riches I give to you. Yes. La délivrance de Dieu. Deliverance of God. Quand il coupe les chaînes sur les mains, when he break chains on hands, tu sors de là avec la richesse sur les mains. You live with yes. riches upon your hands. Quand il coupe les chaînes sur les pieds, when he break chains on c'est pour feet, que tu ailles dans les lieux élevés. For you to go on Dieu your hands. Ne délivre pas. Pour souffrir. To imagine quelqu'un qui mangeait en prison. Imagine somebody who was qui dormait en prison sans payer le loyer. On le sort rent. De la prison. Il n'a rien à manger. Certains disent que même je rentre encore. Toi, tu ne sortiras pas de la prison spirituelle. En espérant rentrer dans la prison. Mais tu sortiras avec les richesses. Amen. Tu sortiras avec la grâce. Amen. Tu sortiras avec l'onction. Amen. Il y a des gens qui sont habitués en prison parce qu'ils aiment ça. Ils ne payent pas le loyer, no ils ne payent pas la nourriture. They don't pay food. Et comme c'est un ancien, c'est un chef, as is a head, a il met le péage. He puts a barrier of payment. Et les prisonniers qui aiment déjà la prison. Hein. Some prisoners like prisons already. Quand tu viens rendre visite à ton ami prisonnier, tu payes. When you pay visit, you pay. Ils sont pour aller où alors qu'ils gagnent l'argent en prison. Et j'ai compris qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. I've got there are such Christians. Sa vie de mendicité, il aime bien ça. He likes the life of mendicity. J'ai trois cousins. I have three cousins. Deux en Belgique. Two in Belgium. Un aux États-Unis. One in the United chaque States. Fin du mois, chacun m'envoie 100 euros. They send me 100 euros. Tu es mendiant. You are a beggar. On doit t'aider pour un temps. You must be helped for a time. C'est toi qui aides les gens. After Amen. You help people. Il y a une différence entre demander et commander. There's a difference between asking yes. and begging. Tu demandes pour investir, tu commandes pour t'amuser. You ask to invest, you beg to play with. Je dis que Dieu permettra qu'on te donne ces jours-ci. God will permit people to give you those days. Pour investir. To invest. Et après avoir investi, and after investing, c'est à toi qu'on va demander. You'll Amen. Be asked. Ça fait 5 ans, on s'occupe de toi. It's about 5 years, they still take care of you. Tu crois que c'est normal? Do you think it is normal? Tu as le potentiel. You have potential. Tu as les diplômes. You have tu es en santé. You're in good tu es health. Jeune. You're young. Mais tu as des gens. On t'envoie l'argent des États-Unis. You send money from the United States. On t'envoie l'argent de la France. You send money from on t'envoie l'argent de la Belgique. You send money from Belgium. Et tu crois que c'est normal? You think it is normal. Tu es possédé. You are possessed. Tu es sous la domination d'un esprit. You are under dominion of a spirit. Qui te fait croire que commander est normal. That makes you believe begging is lorsque normal. Pierre rencontre le paralytique. When Peter met the lame. Dans Actes chapitre 3. In Acts chapter 3. Le paralytique lui fait la même chose qu'il faisait aux autres. He did the same thing he was doing to others. Il commande. He begged. Et il dit au paralytique. And he told him. Je ne te donne pas l'argent. I don't give you money. Je ne te donne pas Lord, I don't give you gold. Je te donne la guérison. I give you healing. Et quand je te guéris, when I heal you, tu entres avec moi dans le temple. Enter with me the temple. Je te forme. I train tu you. Vas aussi prêcher. You preach too, et tu vas délivrer. And you will deliver, et on va te bénir. And you'll be blessed too. Il n'a pas été guéri pour rentrer au quartier. He was not healed to return where he was. Quand il a été guéri, il est entré au temple avec Pierre. When he was healed, yes. entered the temple with Peter. Beaucoup d'enfants de Dieu. Many children of God. Vous voulez la délivrance pour demander aux gens. You want deliverance to ask to people. Avec tout le potentiel que vous avez. With all the potential you have. Tous ceux qui vont lancer leur business. All those who start their business. Ça va marcher. Amen. Tous ceux qui ont déjà lancé leur business. Yes. J'ai dit ça commence à marcher, ça marche. Amen. Ça va fonctionner. Amen. Il y aura les marchés. J'ai dit ce mois ne finit pas. Yes. Tu vas gagner les marchés en dizaines de millions. Amen. J'ai dit tout entrepreneur. Tout commerçant, tout débrouillard, j'ai dit tu vas gagner les marchés. Amen. Ce que tu as commencé là va se multiplier. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Dis à ton voisin arrête de commander. Stop arrête begging. De demander. Tu n'as pas parlé. Dis à quelqu'un arrête de commander. Stop arrête begging. De demander. Quand le sataniste passe son temps à te donner, il a le pouvoir sur toi. When the satanist gives you all the time, he has the power on you. L'église doit tout faire. The church must do everything. Pour arrêter d'être dépendant des satanistes. To stop depending on satanists. C'est pour ça que ça passe d'abord par un temps d'enseignement. That's why it comes through a time of teaching first. Tu ne t'es pas dit que à partir de ce culte, ne cause plus avec tes oncles, ne cause plus avec tes tantes, ne cause plus avec tes dragueurs. Mon frère, qui va payer ton loyer? Who will pay your rent? Mm-hmm.
façon, le dehors est dur là. Non, papa, comme vraiment Dieu m'a parlé, j'arrête le travail. Comme mon patron sataniste, j'arrête le travail. Qui va te payer ton loyer? Non, j'ai fait un rêve où la grande sœur de ma mère avait les longues dents comme ça. Et quand je pense que c'est elle qui envoie l'argent à ma mère chaque mois, je ne mange plus son argent. Tu vas mourir de faim. Je te dis que tu vas mourir de faim. Vous savez, on vous a prêché un message d'extrémisme là bizarre. We preach a word message. Et vous êtes pauvre aujourd'hui parce que vous n'avez pas compris. And today you are poor because you have not understood. La délivrance de l'Égypte. Deliverance of Egypt. Passe par le dépouillement des Égyptiens. Comes through the privation of Egyptians. Dieu ne vous fait pas sortir de l'Égypte sans qu'on arrache l'or et l'argent des Égyptiens. Amen. Dieu peut passer par un sataniste. That can use a satanist. Il t'offre le terrain. He offers you a land. Il t'offre la voiture. Offers you a car. Il t'offre l'argent. Offers you money. Il t'aide à voyager. Helps you to travel. On appelle ça dépouillement. We call it deprivation. Nous lisons. Exode chapitre 3, à partir du verset 21, il est écrit. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas vos amis. They are not your friends. Mais ils vont vous aider. But they will help you. Quand la Pâque arrive. When the Easter comes. Quand la Pâque arrive. When the Easter comes. Des gens qui ne vous aiment pas. People who don't love you. Vont vous donner. Will give you. Par force. By force. Dis à ton voisin par force. By force. Dis à quelqu'un par force. By force. On va te donner par force. Amen. Dis à quelqu'un, on va te donner par force. On va te donner par force. On va t'aider par force. On va t'aider par force. On va te soutenir par force. On va te soutenir par force. On appelle ça le butin de guerre. Yes. L'onction de l'hysope, anointing of après Iso, l'humilité, after humility, c'est le butin. It is a plunder. Yes. Quand la Pâque arrive dans ta vie, when the Easter comes in your life, tu dois arracher, you must snatch, la richesse des méchants, riches of wicked men. Tu dois arracher, you must snatch, la couronne des méchants, the crown of wicked men. Tout sorcier dans ta famille qui a l'argent, every wizard in your family who has comme money, il n'aide pas les gens, as he doesn't have j'arrache people, ça, je te donne au nom de Jésus. Amen. Je dis j'arrache, je te donne au nom de Jésus. Amen. Tout sorcier qui n'aide pas les gens dans ta famille, le peu qu'il a, j'arrache, je te donne au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui vas aider les membres de ta famille. Yes. Amen. Oh, donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Oui. Et quand vous partirez, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Écoute-moi bien. Listen to me well. Je t'interdis après ce culte. I forbid you after this church service. Je t'interdis après ce culte. I forbid you after this church service. De causer avec un riche. To discuss with a rich et de dormir pauvre. Amen. Tout riche que tu connais, yes, va te donner au nom de Jésus. Amen. Va te donner au nom de Jésus. Amen. Va te donner au nom de Jésus. Amen. Sataniste, sataniste, sorcier, wizard, méchant, on va arracher. Yes. Ils sont égyptiens, Égyptiens, les fils du diable. Mais j'ordonne-moi Dieu, vous ne partirez pas vite. Yes. Je suis venu te parler. I've come to talk to you. Le sataniste, il croit qu'il t'a exploité là. The satanist who thinks he exploited you. Cette nuit, this night, je mets ton visage dans son sommeil. Amen. Il va t'appeler pour t'offrir 10 millions. Amen. Ton amen ne m'est pas bien. Oh. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. Quelqu'un qui t'avait oublié, somebody who had forgotten, va you, se souvenir de toi. Yes. Il va t'appeler au téléphone. Mm. Il va t'offrir une maison. Amen. Il va t'offrir une maison. Amen. Il va t'offrir une maison. Amen. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. Quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. You will not go empty-handed. Yes. Il dit que je mélange les sorciers de ta famille, all the wizards of your family, de ton village, de ta belle village, famille, law, de ton travail, workplace, même de l'église. Even yes. The on va les dépouiller. Amen. Empty them. Si un pasteur sorcier t'avait imposé les mains, if a pastor, il a arraché ton étoile. He lays hand on you, je prends pour lui ses enfants, ses petits-enfants, yes, je te remets. Amen. Je te remets, je te remets, amen, je te remets. Amen. On va faire les prières de dépouillement cette semaine. Amen. Toute personne qui est entrée dans ta vie, every person who entered in your life, il dit que tu m'appartiens. You belong to me. Tu m'appartiens. You are mine. Je déclare. I declare. Yes. Il va nous appartenir maintenant. Amen. J'ai dit le sorcier qui dit que tu lui appartiens va t'appartenir. Amen. J'ai dit que celui pour qui tu étais esclave sera ton esclave. Amen. Celui qui t'exploitait, tu vas l'exploiter. Amen. Celui qui te contrôlait, tu vas le contrôler. Yes. Amen. Dis-moi amen bien, s'il te plaît. Amen.
Vous ne partirez pas les mains vides. C'est une abomination d'être dans l'église, church, avoir quitté le monde, world, les mains vides. Empty-handed. Quelqu'un m'a demandé, papa, somebody asked me, daddy, est-ce que je dois prendre l'argent de mon oncle qui est sorcier? Must I take the money of my uncle who is wizard? Il a demandé, je suis ton père ou bien je suis ton oncle? Am I your father or your uncle? I asked. Si je suis ton père, tu devais savoir. If I'm your father, you shall have known. Il y a les messages que vous connaissez, ceux qui sont d'ici savent. Those who are here know. C'est une affaire où le sang suit la veine. Est-ce que je dois encore te dire? Aucun sorcier ne peut te manger si t'aides. No wizard can eat you if he helps. Tout sorcier qui va te donner, s'il veut te manger, il meurt. Amen. Ton amen ne m'encourage pas. Amen. Les choses de l'avant. Oh, ils m'ont fait une chaîne. Après, j'ai commencé à voir les serpents. Écoute-moi d'abord, on ne veut pas les chaînes. On ne veut pas les parfums. Hey, on ne veut plus. You don't want. Laissez les affaires. Oh, je suis rentré, je t'ai gardé le parfum. Hey. Tu dis pardon. Le parfum de 1000 francs me suffit. Yes. Et ça, attends, écoute-moi. Le parfum de 75 000, tu sais à quoi alors que tu es en train de lancer ton business? Faut laisser le complexe. Faut laisser l'apparence. Dis-le que grâce à ton parfum loin. J'ai lancé un business, donne-moi 200 000 pour continuer à payer la marchandise. Et s'il te donne les 200 000 là, en ouvrant sa bouche de serpent, je casse ses dents. Amen. Yes. Cette année, year, tous ceux qui vont te donner, s'ils you, veulent te maudire, je renvoie ça sur leurs enfants. Amen. Je renvoie ça sur leurs enfants. Amen. Je renvoie ça sur leurs enfants. Amen. Il y a des sorciers qui vont t'aider cette année avec la face attachée. Amen. Tu me cherches pourquoi? Tu veux me voir pourquoi? Tu me cherches pourquoi? Ne viens plus jamais chez moi. Ne viens plus jamais chez moi. Ne viens plus jamais chez moi. Ne viens. Oh, ça va arriver à quelqu'un ici. Donne-moi la main sérieux. Donne-moi pour amen, s'il te plaît. Amen. Mes amis, soyez humbles. Vous savez quoi? Quand le sorcier qui a l'argent te chiffonne un peu là, c'est comme si tu n'as pas vu. C'est ça. Dis-lui que je ne veux pas la recevoir. Demain, tu reviens. Mes amis, c'est la fin qui justifie les moyens. Je vous ai dit que Isop, d'abord humilité, après butin. Pour arracher la richesse des sorciers, it's not the riches of wizards. Il faut être sage. You need to be wise. Il va tout faire pour te dissuader, pour t'énerver, mais il sait dans le reste spirituel que c'est un ordre. Écoute-moi, avant que Laban ne poursuive Jacob, before Laban pursued Jacob, dans la nuit, at night, Dieu lui a dit, God told him, tu tentes, try, je te tue. I kill you. Donc quand le sorcier vient te menacer, when the wizard comes to threaten, il sait qu'il ne peut pas te tuer. He knows he cannot kill you. Parce que dans la nuit, because of ton night, Dieu your yes, lui a donné avertissement. He gave him a warning. Avertissement en anglais, c'est quoi? Warning. Dis encore ça bien. Warning. Tu connais ça? Dis avertissement en anglais. Même toi, tu parles. C'est pas les bons. Dis en anglais. Aucun sorcier ne te tuera le jour. Amen. Parce que ton Dieu va donner l'avertissement la nuit. Amen. Ton Dieu va donner l'avertissement la nuit. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Va te donner, je te dis qu'on va te donner. You shall be given. Oncle sorcier, Uncle Wizard, tante vampire, va te donner. Mamie Wata, va te donner. Tonton Wata, va te donner. Papi Wata, va te donner. Cousin Wata, va te donner. Ils vont te donner. Amen. Je vous dis, tu vas faire les affaires. You do business. Tout le monde dit qu'il est sorcier. Everybody says he's faut wizard. Faire attention. Hein. Careful. Il est sorcier. He's wizard. J'avais expliqué ici un jour. I explained here one day. Il y a des sorciers. There are wizards. Qui sont sorciers. Who are wizards. Pour que les gens les fuient. For people to flee. Et qu'ils te donnent. Yes. For them to give you. Donc, comme tout le monde saura qu'il est sorcier, everybody will know he's a wizard, tout le monde va fuir son argent. Everybody will run away from toi, his tu vas prendre money. Son argent. He will take his et money. Tu vas prospérer avec son argent. Amen. His money. Yes. Et fais attention, là, ne mange pas ça. Écoute, écoute-moi bien. Si le sorcier sait que tu es faible, if a wizard knows you're weak, même s'il ne te donne pas, il te tue. Even if he no more gives you, kills you.
Oh, fais attention, écoute, même si tu fais attention, si tu es fervent, on te mange. Even if you are careful and you are weak, you'll be eaten. Tu vas faire quoi chez ta tante? What do you go to your alors qu'elle est sorcière? Even she's away. Si, même si tu ne pars pas. Even if you don't go. Elle vient chez toi la nuit. She will come at night. Si le sorcier a jeté son dévolu sur toi, if a wizard threw his eyes upon il veut manger tes enfants, that he wants to eat your children, même s'il ne t'a rien donné, even if he gave you nothing, il va manger. He will just eat. Mm. Donc ta gentillesse et ta prudence inutile ne va pas t'aider. Those things will not help you. Tout ce dont tu as besoin, all what you need, c'est d'avoir plus d'onction que le sorcier. Is have more anointing than the wizard. Quand il te regarde, il tremble. When he looks at you, he trembles. Il y a des sorciers, tu vas les regarder dans les yeux, ils vont baisser la face. Tu vas les saluer, ils vont sentir le feu qui va toucher leurs mains. Amen. Parce que Dieu te charge cette semaine ici. Amen. Dieu te prépare cette semaine ici. Amen. Semaine du dépouillement. Amen. Écoute-moi. Listen to me. Personne ne partira les mains vides. Nobody will go empty-handed. Personne. Nobody. Amen. La Pâque ne peut pas arriver. The Easter cannot come. Et vous avez les mains vides. And you are empty-handed. Interdit. Yes. Prohibition. Toute personne avec qui tu vas traiter maintenant. Every person with whom you are going to come now. Si la personne veut te blaguer. If the person wants to joke with you. Tu vides la personne. You empty the person. Yes. Maintenant les gens, tout sorcier qui n'a rien va te fuir. Every wizard who has nothing will flee. Tout sorcier qui n'a rien va te fuir. Every wizard who has nothing comme will flee. Comme il n'aura rien à te donner. As he will have nothing to il give va t'éviter. You, he will avoid mais you. Un sorcier qui a. But the wizard who has. Tu vas l'attirer. You will attract him. Quand il va venir, when he will come, tu le dépouilles. You deprive him. Écoute-moi bien. Listen to me. Ce n'est pas une affaire physique. It's not a physical c'est spirituel. Thing. It is spiritual. C'est-à-dire que il voit seulement ton numéro de téléphone. Just see your contact. Il a fait transfert. Already sent transfer. Avec la face attachée, passe à mon bureau demain à 10h. Go to my office tomorrow at 10 a.m. Il te reçoit avec la face attachée. He refuses your wife funding. Il va te donner les bons de carrément de 2 millions avec la face attachée. Amen. Amen. Tu cherches le travail. You want a job. Un sataniste va t'aider avec le mauvais cœur. A satanist will help you with the evil heart. On appelle ça butin de guerre. You call it the bundle of war. Tu prends pour l'ennemi sans son consentement. You take for the enemy without his consent. Tu t'en fous de son état d'âme ou de son état d'esprit. You don't care about what he thinks. Le plus important, comme tu as gagné la bataille, the most important, as you overcome the tu battle, récupères. You recover. La Bible dit que Abraham a payé la dîme du butin à Melchizedek. Abraham paid the tithe of the plunder to Melchizedek. Abraham n'a même pas payé la dîme avec son argent personnel. He didn't pay the tithe with his own money. C'était la dîme du butin de guerre. It was the tithe of the plunder of war. Hébreux 7 ou Hébreux 9, verset 4. Hébreux 7, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Yes. J'ai vu un pasteur qui aime bien, ils aiment entendre qu'ils sont saints. Some pastors like to pretend they are holy. Ils choisissent les dîmes qu'ils prennent. They choose the tithe they take. Au nom de quoi? Because of what? Non. À aucun moment. No way. On va te dire d'aller pécher. He'll be told to sin. Alors tu connais ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Because you know it well. Ça, on est d'accord. We agree. Maintenant qu'un pasteur dit non, il y a un pasteur qui disait. Pastor was saying. La prostituée. Prostitute. Je ne prends pas ta dîme. I don't take your tithe. Et moi je lui ai demandé. And I asked him. Et le directeur qui est à l'église. And the director in the church. Tu connais d'où vient son argent? You know the source of his money? Il y a des directeurs. There are some directors. Qui ont volé. Who embezzled. L'argent de l'État. Money of government. Ils sont anciens d'église. And they are elders of church. En fait, le gars dit que il ne prend pas la dîme de la prostituée. Je demande au directeur. And the director now. Hey, directeur, son salaire c'est 300 millions. Comment pour avoir la maison de 50 millions? How does he do to have the house of 50 millions? Il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Pourquoi tu prends la dîme du directeur, tu ne prends pas la dîme de la prostituée? Why do you only take the title of director, not from the prostitute? Verset 4, Hébreux 7. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Chaque butin. Every plumber. Donc Dieu prévoit que, écoute, le père de la foi Abraham, the father of faith Abraham, dans sa richesse, in his riches, il y a ce que Dieu lui a donné. It's what God gave il y a him. Ce qu'il a travaillé. It's what he worked il y a ce qu'il a arraché. It's what he snatched. Yes. Donc Abraham a payé la dîme de ce que Dieu lui a donné. Abraham paid the tithe of what God gave il a payé la dîme de ce qu'il a travaillé. He paid the tithe of what he worked. Il a payé la dîme de ce qu'il a arraché. And what he snatched.
Et Melchisedec, le roi de Salem, a pris. Melchisedec, le king of Salem, took it. Va maintenant dans Genèse où il a payé la dîme et il a béni. On n'a même pas fait une repentance à Abraham pour avoir arraché les buteurs de guerre chez le roi de Sodome et Gomorrhe. Le gars a pris. Le roi de Sodome et Gomorrhe. Le roi de Sodome et Gomorrhe. On a arraché ses richesses. Mm. On a payé la dîme au roi de Salem. Hey. Genèse chapitre 14. À partir du verset 17, il est écrit. Il est écrit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, oui, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit. Et dit. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, oui, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc le roi de Sodome est venu lui donner ses richesses que comme tu as gagné la guerre, prends. As you overcame the battle, take it. Abraham a pris. Abraham too. Et il rencontre qui sur son chemin? Who does he meet on le roi de Salem. The king of Salem. Melchisedek. Melchisedek. Et pour ceux qui savent, for those who know, c'est Jésus-Christ. Jesus Christ. Yes. On lui a payé la dîme de Sodome et Gomorrhe, il a pris. He was paid the tithe and he took it. La richesse de Dieu. Riches of God. Peut par méga de se retrouver à Sodome et Gomorrhe. Can be found at Sodom and Gomorrah. On doit arracher ça. We Amen. Have to snatch that. C'est aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Yes. From a slave. Donc, notre temps d'enfantillage a fait en sorte que Sodome et Gomorrhe récupèrent nos richesses. Maintenant qu'avec la Pâque, on a grandi, on a vieilli. Yes. Easter, on entre à Sodome et Gomorrhe, on arrache nos richesses. Amen. On entre en Égypte, on arrache nos richesses. Amen. Tout sorcier sur notre chemin, on arrache nos richesses. Amen. C'est nous qui devons dominer. Amen. C'est nous qui devons prospérer. Amen. C'est nous qui devons briller. Amen. Yes. Toute personne ici, every person here, si tu connais un grand quelqu'un, if you know a great man, tant qu'il est grand, as long as he's tu great, dois le chercher. Seek him. Yes. C'est un décret. It's a decree. Il t'aime ou il ne t'aime pas, when he loves your tu le cherches. Seek him. J'ai peut-être mal dit ça. Je vais aller étape par étape. Et quand je suis sûr que vous avez compris, j'arrête la prédication. Écoute-moi. Listen. Si dans ta famille, if in your family, quelqu'un a l'argent, somebody has money, tu dois le chercher. Seek it. Si parmi tes contacts, so among your contacts, quelqu'un est élevé, somebody is elevated, tu dois le chercher. Seek it. Tout ce qu'il a là, all what he has, il y a ta part dedans. Your portion is included. Il va mettre tes enfants à l'ENAM. Put your children in the school of magistrature. Il va t'aider, tu auras le visa, tu vas partir en Bénin. He will help you travel for Europe. Après, dit que la semaine, si c'est la semaine, c'est une semaine bizarre. This week is strange. Tu vas les appeler, ils ne te décrochent pas, tu rappelles. If they don't pick the phone, ils te raccrochent, tu rappelles. Tu envoies le message. Après, tu m'en bats, Dieu te bénisse. Comme on commence par l'humilité, I will start with humility. Il va te chiffonner. Mais to tu sais ce que tu cherches. But you know what you want. Quand les blancs voulaient les choses des noirs, when white men wanted what belonged ils to black viennent en Afrique, ils s'asseyent sur les petits bancs. They sit on little chairs in Africa. Vous racontez le charabia, ils font semblant d'être avec vous. They pretend to be with you. Ce qui les intéresse, c'est l'ivoire. They're just interested by its ivory. C'est vous les pauvres, vous ne comprenez pas c'est quoi l'humilité. You poor don't understand what humility is. J'ai vu quand tu vas dans la boutique d'un blanc. When you go to the shop of a black tant man, que tu es dans sa man, boutique, il sourit avec toi. As long as you are there, he smiles with you. Il est gentil avec toi. He's kind with you. Tu prends un article, il propose le deuxième. You take an item, he proposes jusqu'à the second. Quand tu sors de la boutique, when you leave the shop, son visage redevient froid. His face changes. Il sait ce qu'il cherche. He knows what he wants. Mais vous, vous êtes trop vrai. You are so rude. Je l'aime pas, je lui parle pas. I don't talk to him. Je lui réponds pas. I don't reply. Ça fait trop de mal. It hurts me. Mon ami. My friend. Il te faut la délivrance. You need deliverance. Celui qui t'a fait trop de mal peut te donner 50 millions. He who hurts you a lot can give you 50 million. Et on appelle ça compensation. We call it compensation.
Cette semaine qui commence. This week that begins. Toute personne qui peut t'aider. Every person who can help. Tu dois rire avec la personne. Laugh with the person. C'est de ta vie que dont je parle. I'm talking about your life. D'abord dans ta famille. First of all, in your family. Soyez heureux. Be happy. Soyez en paix. In peace. Autant que cela dépendra de vous. As long as it shall depend on you. Rendez visite aux gens. Pay visit to people. Même ceux qui n'ont pas qui auront. Even those who don't have who will have. Et les gens dans ta famille qui n'ont pas d'ici le mois de juin, Dieu va les bénir. Amen. Maintenant, si tu les as, si tu leur as rendu visite avant, if you pay them visit before, quand Dieu va les bénir, when God will bless ils vont penser à toi. They will remember you. J'explique, on parle de la croix. Explain, we'll talk about relation the cross, entre l'homme et Dieu. Relationship between the man and et relation God. Entre l'homme et l'homme. A relationship between the man si and tu n'as the que man. La relation avec Dieu, if you only have relationship with tu God. Es dans poteau. C'est le poteau. Post. Donc tu n'es pas Jésus n'est pas n'a pas été crucifié sur le poteau. He was not crucified on the post. Jésus était crucifié sur la croix. But he was crucified on the cross. Donc c'est un symbole fort. It is a great symbol. Relation établie entre l'homme et Dieu. Relationship established within relation the God. Relation établie entre toi et les hommes. And between you and men. Donc si tu n'as qu'une relation avec Dieu. You just have a relationship with God. Et tu n'as pas les relations avec les hommes. And no relationship with men. Tu vas échouer. You will fail. Je n'ai que Jésus. Only Jesus. C'est mon devant, mon derrière. It's everything for me. Mon à gauche, mon à droite. It's everything. Mon en haut, mon en bas. My même down. Jésus even Jesus, a eu besoin jusqu'à sa mort till his death. Qu'on l'aide à porter sa croix he needed to be helped carry et qu'on his lui cross offre une tombe. And to be offered a grave. Pourquoi les anges n'ont pas creusé la tombe de Jésus? Why did the angels not dig the grave of Jesus? Pourquoi les anges n'ont pas porté la croix de Jésus? Why did they not carry the cross Jésus of Jesus? Avait une relation avec son Père had a relationship with et une relation avec les hommes. And with men. Ta relation avec les hommes est à quel niveau? At which level is your relationship with est-ce men? Que vous savez qu'il y a les gens à l'église you know, there are people in the church, dans tous leurs contacts contact, ils n'ont pas 5 personnes qui peuvent leur donner 10 000 en cas de problème. 5 personnes cannot give them 10,000 in case of troubles. Si tu commences à regarder tes contacts, if you start looking at your contact, amis de Congosa, friends gossip, amis des intrigues, friends or amis intrigues, du racontage, friends or gossiping, amis de Facebook, friends on Facebook, il n'y a pas de vrais amis. There are no real friends. Pendant que je parle de ça, ça t'amuse. Attends quand tu auras un problème. Wait when you have a problem. Tu n'as personne que tu peux appeler pour intervenir à l'hôpital général. Nobody can intervene for you at the hospital. Tu n'as personne que tu peux appeler qui peut intervenir. Un magistrat. Nobody can intervene for you tu ne connais que les gens de Congosa. You only know people for, et quand vous arrivez à l'église, when you come to the church, vous liez d'amitié avec les gens inutiles. You are friend with useless people. Après, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes autant misérable. You don't get why you are so miserable. Même les États forts font alliance. Even great states make L'OTAN, covenant. C'est Alliance Atlantique, où des États puissants se mettent ensemble pour combattre l'ennemi de l'un d'eux. Mais toi, tu es en alliance avec personne. In covenant with nobody. Depuis que j'ai cru, il n'est même pas à cause des églises. I believe he don't love me because cette of church. Foutaise, cette bêtise. Quelqu'un peut ne pas aimer ton pasteur. Somebody might not love quelqu'un your pastor. Quelqu'un peut ne pas aimer ton église. He might not love your church. Il t'aide. But he loves you. C'est à toi de faire la part des choses. You have to. Mon église, c'est mon église. My church mon pasteur, is my c'est church. Mon pasteur. Toi, my tu es mon oncle. You are my uncle. Donc tu mets mon pasteur de côté, tu mets mon ancienne église de côté, tu mets mon église de côté, tu es le frère de mon père. You are my father's brother. C'est à toi que je parle, mon oncle. To you, my uncle. Aide-moi en tant que mon oncle. Help me as my uncle. Disons même que je suis sorti de l'église, je suis franc-maçon, ça te va? Aide-moi alors. Help me. C'est pour te dire qu'en fait, on appelle ça la distraction. We call it distraction. On veut déplacer le sujet sur les églises pour ne pas t'aider. Not to help c'est toi you. Qui dois les ramener dans le sujet. Amen. On a le même sang. En tant que le frère de mon père, la sœur de ma mère, tu dois m'aider. Écoute-moi bien. Listen well. Il y a des gens qui doivent t'aider parce que c'est obligé. Yeah, people must help you because c'est une affaire de sang. It's all about the blood. Mais toi, comme tu es émotive, as you're emotional, non, okay, m'a parlé, m'a trop mal parlé, je ne parle plus là-bas. He mouthed to me, I will no more go there. Elle va aider les inconnus. She will help unknown people. Elle va financer les inconnus. She will finance unknown people. L'argent qui était censé te revenir, the money that was supposed to be va yours, tomber entre les mains des inconnus. Fall in the hands of unknown people. Parce people. Que tu n'as pas commencé, because you are not started, par l'humilité. By humility. Qui t'a dit que tu dois dire à un riche ce qu'il doit te dire? Who told you that you must tell a rich man what he must tell une you? Une personne qui te dépasse peut se permettre de te dire ce qu'elle veut. A person who surpasses you can't c'est tell son problème. She wants. Ça c'est son affaire. It's her business. Ce qui est important pour toi, what's important for you, c'est ce que tu veux gagner. It's what you want to gain.
Quand on cherche la vie, when we struggle, on est concentré. We are concentrated. Ce que les Français vivent au Mali, là, what Frenchmen c'est are parce living que les Maliens there. Ont décidé. Because they've decided. Mais les Français sont tous là. But Frenchmen are still there. Finissez, calmez-vous, laissez-nous continuer à faire la guerre. Là, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner les richesses du pays. Donc les Français ne les aiment pas. Frenchmen don't love mais them. Ils sont toujours là. But they are still there. Toi, tu as ton intérêt quelque part. When you have your interest somewhere. Mais comme tu es trop vrai, as you are so si mon patron fruitful. Me parle encore mal, je claque la porte. Tu vas nourrir ta femme avec quoi? How are you going to feed your wife? Ta fierté nourrit la famille. Does your pride feed the what family? Un veau qui est en grand ne lui parle pas comme ça. Mais arrêtez ça loin. Tu as quatre enfants. Have four children. Ça, c'est ceux de la maison, sans compter ceux de Déon. Chaque mois, tu dois les nourrir. Si mon patron me parle encore mal, je claque la porte. Ta voiture, seulement le carburant de la semaine, tu te fais comment? How will you do to put fuel in qui vous a prêché ça? Who has preached you that? Quand tu sais que tu cherches la vie, when you know you are struggling, il faut être humble. Be humble. Et parfois même Dieu permet qu'on te parle comme ça. God permits people to talk to you like et après that, t'avoir parlé comme ça. And after talking to you, ce qu'on va te donner. What you'll be given. Il y a des sorciers. Wizards, des bonnes personnes. Good people, qu'on doit dépouiller cette semaine. We must empty this week. Vous ne sortirez pas de l'Égypte les mains vite. You qu'est-ce que vous allez faire? Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous prendrez les richesses des Égyptiens. You will plunder the Egyptians. Il dit que vous demanderez. So you ask. Maintenant, dans Matthieu 7, il a bien expliqué ce que veut dire demander. He well explained yes. The meaning of asking. Demander est à trois dimensions. Et moi, j'ai ajouté la quatrième. Demander Matthieu 7, 7. Asking according to Matthieu 7, première 7, dimension, 7. Tu demandes simplement. First dimension, you simply ask. Boss, est-ce que je peux avoir un peu d'argent là? Boss, can I have the money? Il dit non, je ne donne pas. No, I don't give. Tu cherches. Seek. Des stratégies. Strategies. Si tu ne trouves pas, if you don't find, tu frappes fort. Knock. Si on n'ouvre pas, open, tu casses. Break. Yes. Donc, il y a quatre dimensions du demander. There are four dimensions of asking. Demander normalement, ask normally, chercher, to seek, frapper, knock, et casser. And to break. Mets-toi de moi à prier. Stand up, you're going to pray. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia, oh. Alléluia. Lève tes mains, adore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Dis Père, ô
au nom de Jésus, je dépouille mes ennemis. Tout ce qu'on a pris à ma mère, tout ce qu'on a pris à mon père, tout ce qu'on a arraché, étoile, richesse, mariage, santé, protection, élévation, promotion, j'arrache pendant que je prie, en claquant les mains, j'arrache. J'arrache. Est-ce que tu peux lever ta voix en claquant les mains? Commence à arracher tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a pris dans la vie de ta mère, tout ce qu'on a pris dans la vie de ton père. Commence à dépouiller, commence à récupérer, commence à arracher. Arrache ton bonheur, arrache ton élévation. Arrache ta promotion. Ils ont volé ton étoile. Récupère ce matin. Arrache ce matin. Prie en claquant les mains. Au nom de Jésus, amen. Amen. Père, je prie que cette semaine, que tu nous donnes l'onction, la révélation, la parole, afin de dépouiller les dominations. Amen. Que ta grâce et ta présence nous donnent la capacité de dépouiller. Amen. En demandant, yes. En cherchant, yes. En frappant. Amen. Que ta présence soit manifeste pendant ce programme, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus, assieds-toi, je te bénisse. Acclame Jésus, assieds-toi, je te bénisse.